Aujourd'hui commence l'épisode 7. Je me demande si je vais combattre sur les champs avec des vaches à tête de scarabée. J'ai bien voulu en manger, mais la dernière fois que j'en ai fait un, il s'était caché. Oh Quelle oh angoisse, quoi. Oh. oh. Donc bonjour et bienvenue sur ce 7e épisode de Metroid Prime. Ouais, c'est le septième, Salut! c'est le septième. Non, ça a rien de spécial. Bah, on est rendu à Ouais. 720. C'est spécial, hein? Ouais. Qui? Hein? J'ai pas Hein? compris. Mes notes de français, 7 sur 20. Ah. Ouais. C'est déjà mieux J'ai que battu. Sylvain. Hein. What? What? Quoi? Rien, mais ça me rappelle. T'es pas déjà passé par là? Bah si, mais Ah, putain, je me disais, j'ai pas lancé le bon et tout. Le moment de stress. Et en fait, Mais si. c'est le principe de Metroid, c'est un, je sais pas, ça porte un nom ce type de jeu quand tu passes et que tu repasses à plusieurs endroits, mais qu'à chaque fois t'as un objet supplémentaire et que tu peux aller plus loin. C'est un jeu va-et-vient. chiant. Un jeu chiant. Va-et-vient, mais ça. Ouais, Ah non, aussi. parce que Metroid c'est super trop bien. Trop bien. En anglais c'est backtracking. Voilà, ça doit être ça. Oui, donc il devrait y avoir un autre passage à Sansa. Je sais pas si c'est dans cet épisode-ci. T'inquiète pas, tu pourras laisser parler ta créativité ou ta Ouais. connerie ou les Après, ouais, deux. voilà, il prépare. Il Il prépare prépare le ses blagues. départ au cas où. Piou, piou, piou. Piou, 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 piou. Ouais, piou. Pardon. Ah oui. C'est quoi ça, attends? Oh. Avez-vous déjà vu? Oui, les petits poussins, un boss band de Chorale. poussins. Et une chorale de poussins, ils chantent la même chose. En même Oh, temps, ils c'est parlent des de poussins. poussins. Bah, les poussins ont différentes intonations de voix, dépendamment de comment est-ce qu'ils ont grandi. Putain, mais où est-ce que ça part là? Oh. Par les poussins. Non, mais parce que la Bon, vous savez résolution est quoi? Moi, je tellement crie Jean Poussin. merdique. Ouais, t'as 10 poussins sur une table, comment tu fais pour en avoir plus que 9, ton Bah, poussin? ton poussin. Ouais, voilà, ok. Oh putain. Ok, moi j'aurais dit t'en manges un, mais. Ouais. Ça Bah, a du pas beaucoup de coup. viande. Ouais. M, si tu On le l'écrase. gobes. Ça va être ton poussin, quoi. Non, c'est le Ouf. canard. Hein? Quoi? Comment? Qu'est-ce qu'il dit? On a perdu Doc, ça y est, c'est officiel. Je suis pas médecin. C'est ton Docu. surnom. C'est Docu. Fuck you. Docu. Docu. Non, C'est alors on va enlever trop chiant. Compte de cul. De cul. De quoi qui est trop chiant? Ah bah tiens, il s'est cassé. Doku. Il a What rage the quit. f... Ah bah du coup, je vais avoir plusieurs trames sonores, merci. Ah non, ah non, il est revenu. Ah, pour une fois que c'est pas Tib. C'est pas ti. Sympathique. Pat. T'es quand même Il veut skillé dire là du au... Chanel. T'es quand même skillé à la visée, hein. Ou alors c'est qu'il y a une aide à la visée, j'en sais Non, rien. non, Non, y a un auto-aim, faut pas déconner non plus. non, Ah, je non, me non, disais, non, quand non, non, même. non, 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 Ouais, c'est ça, arrête de Y'a mentir. le J'ai appelé du lock-on, monde de c'est pas Call la of même Duty. chose. Oui, y'a le lock-on, oui, pardon. Donc on est venu récupérer un autre artefact. Oh, Ouais. salut. Oh, Oh, délire! Délire a Oh, délire, explosé. Philippe! Hey, Terence, je crois que j'ai quelque chose coincé dans le cul. Eh, hey, quoi donc? Eh, hey, regarde! Je suis pas ton pote, mec. Je suis pas ton mec, mon Ton gars. mec, mon gars. Je suis pas ton gars, mec. Je suis pas ton mec, pote. Beaucoup de sous-spark quand même ici, hein, je trouve. Mais c'est bien, c'est bien. Ou Une pas. série Mais de en même qualité. temps, Maman, on le chat, dit. c'est un god Michel. Pardon. Oula. Quoi? Je crois qu'il y a un joli petit chéri qui va passer une nuit avec maman. Voilà. Je connaissais pas la version française, tiens. Ah, ah non. C'était une feinte pour Doc. Donc, y a un truc sous cet ascenseur, donc je me suis dit, ouais, il doit y avoir quelque chose. Nope. Nope. Oh C'est parti, nous allons monter. Il Oh est là bon. là, qu'est-ce qu'il est beau cet ascenseur! Il est beau, il est beau, il est beau l'ascenseur! Non, ça marche pas, je suis trop conne! Allez, on y va! Allez hop, on y va! C'est Par contre, parti, les ça... amis! Son armure, je sais pas, elle, soit elle est hyper moulante, soit elle pèse 30 kilos, la meuf.
Bois de Boulogne. Elle a assez maigrichonne, hein, la Samus. Attends, t'as c'est vu la taille de l'armure, franchement elle a des jambes... c'est pas une armure humaine. C'est une armure utilisant... Bah, c'est une armure Chozo, simplement. Ouais. C'est vrai que c'est une armure qui... C'est qu'elle a des choses au corps. Qui lui moule son boule. Ok. J'aime trop ton boule, j'aime trop ton boule. On l'a déjà fait tout à l'heure, mais... malheureusement. Hein? Quand? Avec Alligator. Ah oui. La grosse référence. Comment ils ont créé cette chanson? C'est vrai. Oh yeah. Bon. Allez, deuxième essai. Est-ce que j'ai... Deuxième fail. Oh la bite. Mais attends, mais t'as le double saut, mec, comment tu fais? T'es sûr que tu peux je passer, moi? Je n'arrive pas à sauter sur cette plateforme, oui, comment oui, faire? Et à chaque fois, il se prend un petit coup par le... Je sais pas, si je vous ai rendu service et je l'ai coupé. Mais je crois qu'on est genre 15 minutes ici. Ok. Comme je crois t'en pas. Fous des mobs, c'est abusé. Ouais, j'avoue. Piu piu piu. Piu 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 piu. Quel type de piu 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 es-tu? Dis-moi comment tu piu piu piu. Bon, pim pam poum, oui. C'est gagné. Oui. T'en au milieu. C'est gagné, oui. Oh yeah. Ouais. Vous êtes un winner. Nyon. Moi, je... ouais, voilà, moi, je serai toi, je passerai en mode YOLO. J'ai toujours rêvé dans les couloirs en forme de tube de pouvoir tourner sur toutes les parois avec la boule morphing. Je sais pas si c'est possible. Non. Ah, t'as pris là. J'ai pris cher. Ah ouais. Salade, tomate, oignon, sauce blanche. Non mais c'est normal, faut pas s'inquiéter, des fois ça lui prend comme ça. Tout va bien, tout est normal. À chaque fois tu repasses devant les petites merdes, les épines, et à chaque fois tu te reprends un petit coup. Et j'ai l'impression que tu galères là. Ouais, tu tombes pas mal en rond, non? J'avais plus aucune idée de ce que je devais faire. Parce que ce que tu devais faire. Ouais. Donc du coup, je suis en train de vous réencoder l'épisode spécial. J'ai complètement oublié de le refaire dans la version 2. What? Ouais, je me suis fait prendre dans un coin par deux boules. T'inquiète pas. Normal. Ouais. Tu sais qui c'est? En fait, c'est un épisode entier où tu fais rien. Il se passe non, t'inquiète, t'inquiète. Voilà. T'inquiète pas, si ça se passe dans les deux dernières minutes, ça fait cher l'épisode. Hein. Non, mais il faut dire aux viewers de rester là quand même. Restez ouais. là. Restez là, hein. Sacré j'ai fait du montage. Sacré épaulette. Ouais. Et c'est ça qui donne tout son charme à l'armure. Bah, oh, quand elle te fiste jusqu'à l'épaule. Ouais. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé ouais. Non, mais là, rien, juste il est désespéré, il sait plus où aller, donc il tente des trucs complètement improbables. Ça arrive tout le temps. Et il est coincé parce que voilà. Parce qu'on mauvais. Non, parce qu'on saute pas bien dans l'eau. Ce qui est tout à fait logique. Yay! Yay! Dunch! Tu vas réessayer le saut que tu ratais. Je suis sûr que tu vas réessayer le saut que tu ratais. Bah oui! On l'a tous vu, on a tous vu le fondu. On a tous vu le fondu. On a tous vu le fondu, oui. Et hop là! Du coup, en fait, ça a passé depuis le début, c'est juste. Ah non, c'est juste que c'est une merde, oui, je suis d'accord. D'accord. Et là, il se venge sur le... Prends ça, tiens. Et en réalité, ce qui... Plus tard, dans les épisodes, on verra ce qu'il fallait vraiment faire. Parce que dans la version US, j'ai toujours fait ça. Et à chaque let's play que j'ai vu dans la version US, tout le monde fait ça. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Mais de quoi ça? Bah, faire sauter d'une plateforme à l'autre. Bah, ouais. Mais c'est pas ça qu'il faut faire en réalité. Ah bon? Ouais. Parce que moi j'ai fait ça quand j'ai joué. Bah moi aussi. C'est quoi cette vache? C'est Silver. Cette version évoluée de Silver. Quoi? Silver évolue? It isn't even my final form. Effectivement. Piu piu.
Des missiles, ouais, enfin l'armure de Samus, elle peut transporter des missiles nucléaires. Bah, quoi. Il y en a une quinzaine dans sa pocket. Ok, non, donc, quand j'étais gosse, j'avais jamais capté qu'il fallait faire exploser ce truc avec un missile. D'accord. Du coup, t'avais jamais fini le jeu en fait. T'étais gosse, c'est normal. J'avais 8 ans, j'ai fini à 10. Ah ouais. Waouh, là faut être motivé. Oui. Non mais quand je dis qu'elle peut transporter des ogives nucléaires, c'est pas des conneries. Dans Metroid Prime Hunters sur Nintendo, boss final, il se fait vraiment à l'ogive nucléaire. Normal. Piu piu. Piu 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 piu. Oula. Ah, les petits passages en 2D, c'est sympa. Sympa. Par contre, ça arrive pas très souvent. Ah mais ça se recrée les... Ouais. Bon, en gros, là, ici, il y a des petits trucs qu'il faut faire exploser, et on les fait exploser pour passer. Tout simplement. Ok. Et donc, les mecs, ils avaient fait une architecture avec des portes qui s'ouvrent uniquement quand tu tires dedans au missile. Ouais. Ça devait être sympa, tiens, te trimballer là le soir, avec les gens qui se baladent. Quoi de tension, j'entre dans la pièce. Là, c'est de la bullshit. J'ai sauté sur le truc. Je veux mon rayon. Bah, tu l'auras après. Ouais. Parce que là, pour l'instant, c'est boss time. Ouais, donc on a deux Sylvères. Non. Mais en fait, faut leur péter la carapace dans le dos et ensuite, ça... ouais. Ils ont leur petite partie tendre et charnue qui apparaît. Il y a la viande, il y a la chair qui apparaît. Oui. À trois, même, des vaches. Ouais. Encore une dans le coin, là-bas. Piou, piou. Tiens, crève. Vous avez scanné ceux-là, je me souviens pas. Non. Oula. Il y avait 4 Sylvères. Oh la vache. Évolué. Ah mais il tire des machins, j'ai vu passer un missile. Ouais, en fait il te crache de la glace dessus. Oh les saletés. Ils pas l'air très dur. Petite pourriture. Ouais, quand t'as le skill, quand t'as compris leur pattern, ça va. C'est comme tous les monstres de toute façon. Ouais, t'attends qu'ils te chargent, tu leur sautes par dessus et tu leur tires dans le dos. Ouais. De toute façon, c'est... Ah, 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 oula. Et voici la troisième forme de Sylvère. C'est la maman. Il bave sur le sol. Maman des vaches. Oh. Donc toi, tu le scannes, tranquille. Pépère. Oh, là, faut le tirer quand il ouvre la bouche, c'est quoi le délire? Je sais pas comment il faut le buter exactement. Donc, Scanner, tout le reste... connard. Ah, c'est les cristaux. Non, les cristaux, ils aspirent l'énergie et après ils te le recrachent dans la face. Dans la bouche ou un truc. Ouais, les yeux, dans la bouche. Come shot, oh yeah. Ou alors faut la surcharger, non? En gros, lorsque tu lances des trucs, ça la surcharge, elle doit te lancer des boules d'énergie, ok? Sauf que après, elle est un petit peu épuisée, donc elle laisse la bouche ouverte et il faut que tu lui tires dans la bouche. Avec ton rayon large. D'accord. Ça recommence. Ouais, t'as même pas besoin de la viser en fait, elle aspire la... aspire sur toute la map, on dirait. Ouais. C'est pratique le baseball, hein. Piou, piou. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Faut lui piou-piouter la gueule. Ah. Ah, mais tu la tapes là ou pas? Ouais, je lui ai fait un dégât. Quand elle est devenue rouge. Ouais, j'ai vu, ouais, c'est pour ça. Ils font un timing assez spécifique pour la buter. C'est chiant. Ouais, d'accord, c'est comme ça. Ils sont pas durs, mais ils ont un pattern très chiant. Elle a pas un pattern très clair en fait. Tu sais pas trop quand est-ce que tu peux taper. Enfin, tu la charges, elle te lance les boules et après en fait, ouais, elle est fatiguée et c'est à ce moment-là que tu peux la taper. Ouais. Mais au final, tu le vois pas sur le personnage, elle est pas particulièrement plus vulnérable que le reste du temps, c'est bizarre quand même. Sur la version US sur GameCube, j'ai pas eu de difficulté, autant ici j'ai galéré, je sais pas pourquoi. Et je crois que pourquoi si tu... là Parce que. Boss fuck you. Ouais. Bah quand elle bouge plus, je crois que tu peux la taper. Quand ces cristaux, ils ont pas l'espèce de d'halo lumineux, je crois que tu peux la taper. Ah d'accord. Peut-être pour ça.
Ah non, je raconte de la merde. Parce que je pouvais la taper. Et donc j'ai réalisé que si tu te tiens devant, bah, elle va te cracher à la gueule et donc du coup ça la rend vulnérable en quasi permanence. Ouais, c'est plus simple du coup. Oui. Ouais. Spam missile to win. Elle a un paquet de vita quand même. Non, c'est surtout que à ce point-ci dans le jeu, Samus n'est pas réellement puissante parce que si j'avais par exemple les super missiles, elle serait morte direct. Quoi. D'autres lasers, hein, parce que là t'obtiens du ouais. coup le. Donc on se retrouve pour le prochain épisode où on présentera ce rayon. À la prochaine. Ciao. Bye bye. Focus dans le bus.